puis moi, on est ici au Glengarry Trails à Alexandria. Je viens de passer là, à côté du Gary Fen, qui est comme un gros étang. J'étais voir l'autre étang, mais ça a plus l'air un étang, ça a l'air vraiment là, un marécage. Là. Fait que je m'emmenais ici pour voir si on pouvait... Ben j'ai une application qui s'appelle Go Paddling. C'est pour le canot. Puis ça me disait que je pouvais venir faire du canot ici. Mais je m'en venais juste voir si je pouvais vraiment y accéder. Là. Mais la petite étang, là, mais la grosse étang, où c'est vraiment beau, on peut pas y accéder en canot. Parce que, ben, à moins qu'on ait un canot très, 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 très léger, parce qu'on a quand même un bon bout à faire à pied avant de rejoindre la belle étang. J'étais voir l'autre, comme j'ai dit, le marécage, où ils ont dit qu'on pouvait aller faire du canot, mais j'aime mieux un lac qu'un marécage, là, quand même. Je sais bien que je verrais beaucoup plus d'espèces d'oiseaux si j'irais dans le marécage, par contre. Mais ça a l'air beaucoup, beaucoup, comment on pourrait dire, overgrown, là. De marécage, de choses de marécage, de... Alors, on ira pas là. Mais en m'en venant ici, je m'ai souvenu qu'il y a un beau lac à Alexandria. Alors, je reviens, on va retourner chez nous, là. Zoé puis moi, on va arrêter là, parce que Zoé, elle peut aller dans le lac. Fait que ça peut aller pour une petite swim, là. Ça va lui faire du bien. Alors, c'est ça pour aujourd'hui, à moins que je verrai quelque chose de super beau à partager. Mais je suis déjà venu ici deux fois auparavant. Je suis venu ici en raquette. C'était vraiment beau en raquette, là. Surtout à côté de l'étang, là, ça faisait des super belles photos avec les quenouilles, puis la neige, puis... ouais, c'était vraiment beau. Je suis venu, mais je m'en rappelle plus si c'était à l'automne ou à l'été, mais comme je dirais, environ pour... Ben, quand j'ai commencé à faire des randonnées, là, je suis venu. Fait que, en tout cas, on va continuer notre petite aventure, puis si je vous revois pas avant ça, ben, je vous vois une autre fois. Bonne journée, bye bye! Bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free.
on a fini notre randonnée. Puis là, on est ici à un parc, je sais pas comment ça s'appelle, là, mais c'est à Alexandria. Il y a un beau lac. Je sais pas si je peux là. Ouais, il y a un beau lac. Fait que j'ai trouvé un spot où on peut venir faire du beau canot. Ça fait pas mal le tour du genre d'un île. Mais c'est pas vraiment un île, c'est une partie d'un île. Je suggérerais de venir ici avec vos enfants, là. Il y a des structures de jeu, il y a une plage, il y a des water games, là. Splash pad, on appelle. En tout cas, c'est vraiment un beau parc. Puis ça vaut vraiment le détour de venir ici, là, sortir vos enfants dans la nature, là. C'est nature, étant dehors, là. Et sortir dehors, là. C'est vraiment un beau parc. Je suggère fortement. Alors, je pense qu'on va aller faire Zoé aller nager dans l'eau un petit peu, puis on s'en va à la maison. Bye bye.